Oh, really? Okay. Good to know. It's nice. I mean, it's easy to turn you down, but I can't. Once we hit a certain spot, I can't get you back. Thank you.
chicken. Chicken. Good afternoon. For those of you that don't know me, I'm Dr. Timothy Shade, and I'm the director of the School of Music here. Welcome to a wonderful concert. In some ways, it's an inaugural concert for us. The Wichita Eagle reported it's sort of a first of a brand new faculty artist chamber series that we're working on. We have done these types of concerts before, but we're sort of starting a new initiative. We have such wonderful faculty, as you can see, from within the School of Music, but also from across campus, and we're working on new collaborative endeavors. And so here we have our first attempt at it. So we're really, really thrilled that you get to see it. But of course, 50th anniversary of our sister city's event with Orléans, which is phenomenal. And Vincent Mitterrand on trumpet with us today, sort of the first of two concerts that are this week. It's culminating in an international event. Our own Professor Scholl came back from Orléans performing, two weeks ago. So it's really, really phenomenal that we're getting to do that. And then Saul is here as a part of our Connoisseur Guest Artist Series, funded by the Sam and Marie Bloomfield Foundation. So we are just so, so thrilled that we get to be the benefactor of these wonderful experiences. And if you don't know Stravinsky's L'Histoire du Soldat, it is a tour de force musically, and also a phenomenal story that you've probably heard before. The Faustian story of the devil sort of messing around with someone, and what will they sell, what will they not.
So you get, if you don't know the French, which I don't know French very well, so luckily we have our super titles to help us out if you don't speak the language, but it is being acted out by our wonderful colleagues from across campus, and let me tell you, it's really, really great. So without further ado, please enjoy L'Histoire du Soldat. Entre d'anges et de nazis, un soldat qui rentre chez lui. Un moment, mais le fichu métier qu'on a, toujours en route, jamais le sou, c'est ça mes affaires, sens dessus, dessous, mon Saint-Joseph qui est perdu. C'est une médaille en argent doré, avec Saint-Joseph, son patron, dessus. Non, tant mieux, va toujours fouillant, sors des papiers avec des choses dedans, des cartouches, sors un miroir. Tout juste si on peut s'y voir. Mais le portrait, où est-ce qu'il est? Un portrait de sa bonne amie, qui lui a donné son portrait. Il l'a retrouvé. Il va plus profond. Il sort de son sac un petit violon. On voit que c'est du bon marché. Il faut tout le temps l'accorder. Thank you.
diable. C'est un petit vieux qui tient dans la main un filet à papillons. Tout à coup, il tombe en arrêt. Le diable s'approche du soldat par derrière. Donnez-moi votre violon. Non. Vendez-le-moi. Non. Changez-le-moi contre ce livre. Je ne sais pas lire. Vous ne savez pas lire? Ça ne fait rien. C'est un livre. On n'a pas besoin de savoir lire pour le lire. C'est un livre, je vais vous dire, qui se lit tout seul. Il se lit pour vous. On n'a qu'à l'ouvrir. On sait tout. C'est un livre, c'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir. On tire dehors des titres, des billets, de l'or. Faudrait me le montrer d'abord. Je suis parfaitement d'accord. À terme, à vue, cours d'échange, pas moyen de rien comprendre. Je lis, c'est vrai, mais je ne comprends pas. Essayez toujours, ça viendra. Et puis aussi, monsieur, si ce livre vaut tant d'argent, mon violon à moi, il m'a coûté 10 francs. Ce que c'est quand même que l'honnêteté. Elle va vous récompenser en vous faisant faire une bonne affaire. L'occasion n'est pas ordinaire. Dites que oui, profitez-en. Oh bien, si vous y tenez tant. Il donne le violon au diable et se met à lire dans le livre. À terme, à vue, cours d'échange, bourse du samedi 31. Quel jour est-ce qu'on est? On est un mercredi. Le mercredi 28, c'est un livre qui est en avance. C'est un livre qui dit des choses avant le temps. Drôle, ça? Dis donc, tu vas venir chez moi. Pourquoi faire? Tu ne vois pas. Je n'ai pas encore le coup. Tu me donnes vite 2 ou 3 leçons, et je te ramène à la maison. Où est-ce que c'est, ça, chez vous? Tout près d'ici, de tes côtés. C'est que je n'ai que 15 jours. Rien que 15 jours de congé. Ce sera pour toi à peine un détour. Et puis, j'ai ma voiture. Tu seras rendu plus vite qu'à pied. Hé, ma fiancée qui m'attend. Mais puisque tu arriveras à temps, on sera logé. Logé, nourri, soigné, rafraîchi, dorloté. Ma voiture pour te ramener 2 ou 3 jours, un tout petit détour. Après quoi, riche pour toujours. Qu'est-ce qu'on aura à manger? La cuisine est au beurre et de première qualité. On aura de quoi boire? Rien que du vin bouché. Et on aura de quoi fumer? Des cigares à bagues en papier doré. Eh bien, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voudrez, je vous dis. Et il a suivi le vieux chez lui, qui se trouve avoir dit l'exacte vérité, c'est-à-dire que Joseph a eu à boire et à manger, a été soigné comme il n'avait jamais été, et montra au vieux à jouer, et le livre lui fut montré. 2 jours valant bien le détour. Puis vint ce matin du 3e jour. Tout à coup, il vit le vieux qui entrait. Et le vieux lui dit, « Es-tu prêt? Mais d'abord, as-tu bien dormi? » Et Joseph qui répond que oui. « Est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis? » Et Joseph qui répond que oui. « Alors, tu es content? Oh oui! » « Eh bien, dit le vieux, allons-y. » Ils montèrent dans la voiture partit. Mais tout à coup, Joseph s'accroche des deux mains au rebord en cuir des coussins. « Attention, tiens-toi bien, c'est que mes chevaux vont bon train. » Il voudrait se lever, il voudrait sauter, pas moyen. La calèche est montée en l'air, elle prend le ciel en travers. « Es-tu content ?» Es-tu toujours content? Elle glisse en l'air au-dessus des champs. Combien de temps?
Il n'y a plus de temps. Entre d'Ange et Deneuzy, un soldat qui rentre chez lui. Ça y est, on est chez nous. Bonjour, Madame Chapuis. Elle est dans son plantage. Bonjour, comment ça va-t-il? Elle n'entend pas, mais voilà Louis. Hé, hey, Louis! Il passe dans le pré, sur son char à échelle. C'est Louis. C'est un vieil ami. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il a? Lui non plus ne répond pas. Hé, hey, Louis! Tu ne me reconnais pas ou quoi? Joseph, Joseph le soldat. Joseph, tu te rappelles bien. L'autre continue son chemin, il continue aussi le sien. Et voilà la maison d'école, avec sa cloche et ses engins. Joseph, Joseph, vous vous rappelez bien. Voilà le four, l'auberge et partout des gens à présent, des hommes, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils auraient peur de moi? Vous vous rappelez bien pourtant, Joseph Dupraz. Joseph! Une première porte se ferme, une autre qui s'est fermée, et une encore, et elle crie et en roulier. Toutes ces portes qu'on entend, et lui alors, heureusement, c'est qu'il pense à sa mère. Mais, le voyant venir, elle se sauve en criant. Et il pense, j'ai ma fiancée, mariée, deux enfants. Ah, brigand, bougre de brigand, je sais qui tu es à présent. Je comprends, j'y ai mis du temps. Ça n'est pas 3 jours, c'est 3 ans. Ils m'ont pris pour un revenant. Je suis mort. Brigand, bougre de brigand, je l'ai écouté bêtement. Et c'est vrai que j'avais bien faim et que j'étais bien fatigué. Ça n'explique pourtant pas pourquoi je l'ai écouté. Est-ce qu'on fait attention à ce que les gens qu'on ne connaît pas vous disent? On leur répond, je ne vous connais pas, au lieu de quoi je l'ai écouté. Tu me méfiais de lui, au lieu de quoi je l'ai écouté, bêtement je l'ai écouté. Et je lui ai donné mon violon, ah malheureux que je suis. Et à présent, qu'est-ce que je vais faire? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire?
brigand, bougre de brigand. Mais qu'est-ce que tu vas faire à présent? Ah, brigand, attends seulement. Tâche de parler poliment. Et puis tranquille. Bon, tu m'entends? Qu'est-ce que tu vas faire à présent? As-tu déjà tout oublié? Et ce livre bien relié? Il est parmi mes affaires. Alors de quoi te plains-tu? Tu as plus que le nécessaire, puisque tu as le superflu. Et puis, tu es soldat, ou quoi? Fais voir à ces messieurs et dames. Garde à vous! Bouge plus! Bon, cache-toi ça. Ôte ton sac. Pose-le là. Bon, tu reprends la position. Garde à vous! À présent, attention! Tu vas ôter ton bonnet de police. Mets ça, tiens, elle te va joliment bien. Ôte ta vareuse, on te trouvera un veston. Tu reprends la position. Tu reprends la position. Garde à vous, c'est pas fini. Le livre, où est-ce que tu l'as mis? Ah oui, tu me l'as déjà dit. Va le chercher. Rien que le livre. Bon, tu l'as? À présent, tu reviens vers moi. Mais ne le tiens pas comme ça. Tu pourrais le perdre. Mets-le sous ton bras. Un livre qui vaut des millions. Là, sous ton bras. Ça va bien, mon garçon. Ce que j'ai est ce que tu as. Chacun son bien, comme tu vois. Marchand d'abord, marchand d'objets, puis il n'eut même plus besoin d'objets, parce qu'on est entré dans l'esprit, et on est en dehors du temps, et j'use des autres comme j'entends, parce qu'ils sont dans le présent, et moi, je sais déjà, quand eux croient seulement. C'est un livre qui se lit tout seul. C'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des titres, des billets, de l'or. Et les grandes richesses alors, et tout ce que les grandes richesses sont dans la vie, femmes, tableaux, chevaux, châteaux, tables servies, tout, j'ai tout, tout ce que je veux, tout ce qu'ont les autres, et je le leur prends, et ce que j'ai, ils ne peuvent pas, eux. Alors, il va, des fois, le soir, se promener. Ainsi, ce soir, c'est un beau soir de mai. Un beau soir de mai, il fait bon. Il ne fait pas trop chaud, comme plus tard dans la saison. La branche reprend sa place d'avant. J'ai tout. Les gens arrosent les jardins. Combien d'arrosoirs? Fin de semaine, samedi soir, ils se sentent un peu fatigués. Les petites filles jouent à Capitaine Russe, partez. J'ai tout. J'ai tout ce qu'ils n'ont pas. Alors,
Alors, comment est-ce qu'il se fait que ces autres choses ne soient pas à moi? Quand tout l'air sent bon comme ça, seulement l'odeur n'entre pas. Tout le monde, et pas moi, qui est en train de s'amuser. Des amoureux partout, personne pour m'aimer. Les seules choses qui font besoin, et tout mon argent ne me sert à rien, parce qu'elles ne coûtent rien, elles ne peuvent pas s'acheter. C'est pas la nourriture qui compte, c'est l'appétit. Alors, je n'ai rien, ils ont tout. Je n'ai plus rien, ils m'ont tout pris. Et, rentrant à présent chez lui, c'est pas les cordes qui font le son, parce que toutes les cordes y sont. Et ce n'est pas la qualité du bois, j'ai les plus fins, les plus précieux. Mon violon valait 10 francs. Mon violon valait bien mieux. Satan, Satan, tu m'as volé. Comment faire pour s'échapper? Comment faire? Comment faire? Est-ce que c'est dans le livre, ça? Et il l'a ouvert encore une fois. L'a ouvert, l'a repoussé. Satan, Satan, tu m'as volé. Mais peut-être que le livre sait quand même. Il sait tout, alors, dit-il au livre. Réponds, les autres sont heureux. Comment est-ce qu'ils font? Les amoureux sont sur le banc. Comment faire? Comment faire pour être comme avant? Dis donc, parce que tu dois savoir, comment faire pour ne rien avoir? On entend la sonnerie du téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est pour ces 500 000 francs. Est-ce qu'il faut les verser à votre compte courant? Faites comme vous voudrez. On frappe à la porte. C'est un télégramme qui m'apporte des nouvelles de ces bateaux. Toutes les mères à moi, je suis enfermé. On m'envie comme jamais homme n'a été envié. On m'envie, je suis mort, je suis hors de la vie, je suis énormément riche, je suis riche énormément. Je suis mort parmi les vivants. Le diable, habillé en vieille femme, apparaît sur le côté de la scène. En voilà-t-il pas des façons pour un pauvre petit violon? Va-t'en, je te dis, va-t'en. Je vois qu'on y revient pourtant. On commence par dire non, puis on se fait une raison. Est-ce qu'il est permis d'entrer? Qu'est-ce que vous voulez? On voudrait vous parler. Mais permettez, quelque chose, monsieur, que vous avez laissé tomber. Est-ce tout? Monsieur, on va vous expliquer. J'ai mon carton sur le palier. Des raretés, monsieur, des curiosités. Non, merci. Oh, mon bon monsieur, par pitié. Alors, faisons vite. Tenez. Monsieur, on a sa dignité. Rien qu'on ne l'ait d'abord gagné. On fait son métier, son petit métier. Mon carton est sur le palier. Si j'allais vous le chercher. Regardez, monsieur, regardez. Des bagues, des montres, des colliers. Non? Des dentelles? Non? Dites non sans vous gêner. C'est vrai, vous n'êtes pas marié. On fait son métier, son petit métier. Et une médaille en argent doré. Non? Toujours non? Mais j'ai trouvé un beau portrait tout encadré. Ah, voilà qui a l'air de vous intéresser. Est-ce encore non? Est-ce encore non? Et si on vous offrait un petit violon? Combien? Combien, je vous dis? On s'arrange toujours entre amis. Je vous permets de l'essayer. Nous conviendrons du prix après. Le soldat s'empare du violon. Il essaye de jouer. Le violon reste muet. Le soldat se retourne. Le diable a disparu. Le soldat jette de toutes ses forces le
Il revient à son bureau, il prend le livre, il le déchire en 1000 morceaux. Déchiré. Et comme on est comme dans le temps, avec le sac en moins et les choses dedans. Il est entré. Trois décis qu'il a commandé. On boira son verre et après. Et il s'est mis à regarder, regarde à travers les petits carreaux, par l'intervalle des rideaux, les rideaux de mousseline blanc, tenus relevés par des embrasses rouges. Les rideaux blancs, les jolis rideaux blancs, regarde les feuilles qui bougent. Et puis quoi? Tout à coup, ce tas de monde autour du four. Ce tas de monde autour du four, c'est qu'on a battu le tambour. Et on a battu le tambour à cause de la fille du roi. Le roi de ce royaume-là, qui est malade, ne dort pas, ne mange pas, ne parle pas. Et le roi, il fait dire au son du tambour comme ça, qu'il donnera la fille du roi à celui qui la guérira. Juste à ce moment, entre un homme qui dit à Joseph, « Salut toi !» Quand même, on ne se connaît pas, mais c'est que moi aussi j'ai été soldat, et c'est pourquoi je t'appelle collègue. Et quand je t'ai vu entrer, je me suis dit, « Allons lui parler. Il n'a pas l'air tant content. » Je me suis dit, « Alors, essayons. » C'est peut-être pour lui une bonne occasion. Qu'en penses-tu? La fille du roi, ça vaut la peine d'essayer. Rien n'empêche qu'elle soit à toi. Parce que moi, vois-tu, moi, je suis déjà mariée. Mais toi, tu as ta liberté
et tu viens, ça ne coûte rien. Tu viens, tu dis, je suis soldat médecin. Médecin, c'est tout ce qu'on veut. Même si tu ne réussis pas, ça vaut le coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Au revoir, collègue, et merci du renseignement. Il se lève dans le même instant. Il se lève, il sort, il s'en va. À l'entrée des jardins du roi, les gardes lui demandent où il va. Où je vais? Je vais chez le roi. Médecin? J'ai dit, ouais, soldat médecin. C'est qu'il en est déjà venu beaucoup pour rien. Oh, moi, j'ai dit, j'ai un moyen. Alors, a dit le roi, vous verrez ma fille demain. Ça va bien, j'ai dit, ça va bien, le collègue avait raison. Et en effet, pourquoi pas moi? Une fille qu'on aurait à soi depuis le temps qu'on n'en a pas. On voit une salle du palais. Le soldat est assis avec un jeu de cartes à une petite table. Qu'en dites-vous, les cartes? Qu'en dites-vous? 7 de cœur, 10 de cœur, rien que du cœur, rien que de l'atout. Et je dis bien, pourquoi pas moi, une fille qu'on aurait à soi, et rien qu'à soi, depuis le temps qu'on n'en a pas. Le diable se dresse à côté du soldat avec le violon qu'il tient sur son cœur. Seulement, mon ami, voilà. On est arrivé avant toi. Et c'est nous qu'on va la guérir avec ça. Montrant le violon. Une chose qu'on a et que toi, tu n'as pas. Que tu avais
que tu n'as plus. Mon pauvre ami, tu es perdu. 7 de cœur, 10 de cœur, reine de cœur. On se disait, c'est le bonheur. On y croyait quand même. Ou bien. Mais c'est qu'il y a le moyen. Et c'est moi qui l'ai, le moyen. C'est vrai ce qu'il dit, il me tient. Et c'est lui qui l'a, le moyen. Moi, je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Moyen unique, remède unique, musique, musique, musique. Hardy, vas-y quand même, saute-lui dessus, casse-lui les reins. Il n'y a qu'elle, cher ami. C'est pas un homme, je ne lui peux rien. Pour toi, c'est fini. F-I-F-I-N-I-N-I. Que si, que si, tu lui peux quelque chose, je te dis. Lui, il te tient encore, parce que tu as de l'argent à lui. Débarrasse-toi de cet argent, tu es sauvé. Joue aux cartes avec lui, il va te le gagner. Jouez-vous, on a de l'argent. Comment? Je vous dis, voulez-vous jouer? Cher ami, mais très volontiers. Il gagnera, il veut toujours gagner. Toi, tu vas perdre, il sera perdu. De l'or, des billets, des écus. Très bien. Combien? 10 centimes le point. 2 francs le point, pas un sou de moins. Si vous voulez, mais attention, plus de livres, plus de violons, restez les petits sous s'en vont. Ensuite, ce sera la fin. Vous n'aurez plus rien. Plus rien que la fin. F-A-I-M, fin. Tu vois, jamais plus. Jamais plus. Tu iras pieds nus. Tu iras tout nu. Hardy, 100 sous. Je dis 100 sous. Mais tu es fou. 50 francs. Doucement, monsieur, doucement. Gagnez quand même. Tout ton argent. Tout mon argent. As de pique, as de pique. Et toi? Reine de cœur. C'est encore moi. Tu vois, tu vois, tu vois, il va tomber. Attends, à présent, lève-toi. Donne-lui à boire. Ça le remettra. Dis-lui à votre bonne santé. Tenez, ça vous remettra. Je vous dis de boire. Tenez, et je bois à votre santé. Encore un. Vous abusez. Attention, il va tomber. On est léger. On est léger. Hé, peut-on essayer? Il n'en a pas encore assez. Ah, c'est comme ça. Eh bien, tiens. 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 Il attend un instant. Le diable ne bouge plus. À présent, reprends ton bien. Thank you.
Chambre de la princesse. Elle est couchée sur son lit et ne bouge pas. Le soldat entre et il se met à jouer. La princesse ouvre les yeux et se tourne vers le soldat. Elle sourit. Thank you.
pour le moment, mais le royaume n'est pas tant grand. Qui les limites franchira, en mon pouvoir retombera. Ne poussez pas plus loin qu'il est permis, sans quoi madame sera forcée de se remettre au lit. Et quant au prince son époux, qu'il sache qu'à présent ma patience est à bout. On le mènera droit en bas, où tout vivant il rôtira. J'ai tout, pense-t-il. Mais un jour, elle lui dit, « Je ne sais encore rien de toi. Raconte-moi un peu de toi. » C'est que c'est dans le temps, tout là-bas, dans le temps que j'étais soldat, tout là-bas chez ma mère, dans mon village, loin, bien loin, et j'ai oublié le chemin.
sera vite revenue et personne n'en saura rien. Elle le regarde, elle lui a dit, tu en as bien envie toi aussi. Que si, que si, que si, aussi je le vois bien, a-t-elle dit. Et il disait, venez ici. Mais elle, pas avant que vous n'ayez dit oui. Et alors, il a réfléchi et il se disait, pourquoi pas? Peut-être que ma mère me reconnaîtra cette fois. Elle viendrait habiter avec nous. Et comme ça, on aurait tout. J'aurais tout ce que j'avais avant et tout ce que j'ai à présent. Ils sont partis. Ils sont près d'arriver. On commence à voir le clocher. Voilà, à présent, la borne frontière. Elle, elle est restée en arrière. Elle l'appelle. Il s'est retourné. Le clocher du village est la borne frontière. Le soldat s'est retourné et fait des signes à la princesse. Il se remet en marche, il arrive à la borne. Le diable se plante devant lui. Il a de nouveau le violon et il se met à jouer. Ah!